Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur tout l'aspect cosmique de Warcraft, donc la création de Warcraft avec les différents, les différentes superpuissances et les différents éléments qui vont eh bien, tout simplement être les plus grandes influences de l'univers de Warcraft. Donc on va revenir à la création tout simplement d'un point de vue histoire, bien sûr, pas d'un point de vue des développeurs. Donc on va aujourd'hui parler de toutes les forces cosmiques qui régissent l'univers, donc pas que Azeroth, mais tous les mondes, hein, Draenor, Azeroth et tous les autres mondes, Argus, tous les autres mondes qui existent dans l'univers de Warcraft. Donc pour commencer, nous allons parler bien du Big Bang, j'ai envie de dire, du Big Bang de Warcraft. Il y avait tout simplement au tout départ, donc on ne sait pas si c'est en millions d'années ou en milliards d'années. On peut sous-entendre que c'est en milliards d'années, ça ferait écho un petit peu à, ça ferait écho un petit peu à notre propre univers. Donc il y a des millions ou des milliards d'années, il n'y avait que la lumière. Donc dans ce qu'on pourrait assimiler à l'espace, l'espace n'existait pas encore. Ce qui est appelé dans Warcraft la ténèbre de là n'existait pas. À ce moment-là, il n'y avait que de la lumière, un espace de lumière, entièrement de lumière. Et donc ça, c'est super important parce que c'est vraiment l'idée justement n'a pas, n'est pas. Parce que dans la plupart des univers d'Heroic Fantasy et autres, c'est plutôt le chaos. Le départ était vraiment le chaos. Là, non, à l'inverse, c'est vraiment un univers nimbé de lumière, un océan de lumière, dans lequel justement va naître une ombre. Va naître une ombre. La lumière, comme vous le savez, hein, si vous mettez un rayon de lumière quelque part, cela va projeter une ombre. Et l'antithèse de la lumière va tout simplement faire naître son opposé, l'ombre, qui va petit à petit naître depuis la lumière et va commencer à se propager. Et il va y avoir du coup un conflit entre la lumière justement, et tout simplement son opposé, l'ombre, l'obscurité, avec et donc un conflit à l'échelle cosmique entre la lumière et l'ombre. Et au final, eh bien, c'est cet immense conflit cosmique, ce conflit de. Alors c'est un conflit énergétique, hein, il n'y a pas vraiment de force matérielle, c'est vraiment deux aspects de lumière, enfin deux forces cosmiques qui s'affrontent. Parce que comme je vous le dis, c'est pas à l'échelle galactique, c'est pas à l'échelle terrestre, c'est pas à l'échelle galactique, c'est vraiment l'idée de l'univers lui-même qui a deux forces opposées qui vont s'affronter et qui vont se rentrer dedans. Et le fait de se rentrer dedans, ce conflit, va amener, en fait, va créer de la matière. Ça va créer de la matière. Et cette création de matière va justement créer l'univers physique tel qu'on le connaît. Donc c'est l'espace, tout simplement, cet océan noir nimbé d'étoiles dans le ciel. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la ténèbre de l'au-delà dans l'univers de Warcraft. Donc justement, la ténèbre de l'au-delà, au final, qu'est-ce que c'est? Moi, tout simplement, c'est un océan de matière. Et dedans, eh bien, c'est justement, encore une fois, ce Big Bang, hein, ce conflit entre la lumière et l'ombre va créer plein d'astres primordiaux, tout simplement des corps célestes, on l'appellera planète, bien entendu, et c'est comme ça qu'Azeroth va être créé au départ, hein, c'est l'affrontement de l'obscurité et de la lumière qui va faire naître justement toute cette réalité, tout cet empire matériel. Et du coup, ce qui va être important, donc voilà, l'ombre qui tenta donc de prendre le dessus sur la lumière qui veut rester au-dessus de l'ombre. Finalement, de ce conflit à l'échelle cosmique se crée donc toutes les. C'est le Big Bang, hein, c'est vraiment, encore une fois, je le redis, mais c'est vraiment le Big Bang et c'est comme ça que vont se créer les mondes primordiaux, donc vraiment les mondes, toutes les différents corps célestes, notamment Azeroth. On y reviendra plus tard pour Azeroth dans une autre vidéo, mais l'idée c'est que ces mondes primordiaux, ces corps célestes vont abriter la vie sous sa forme la plus vraiment première, la plus primordiale possible, à savoir en fait des énergies, vraiment des énergies vivantes. Donc ce ne sont pas des êtres de lumière, ce ne sont pas des êtres d'obscurité, c'est vraiment de ça, c'est vraiment l'idée que on faut imaginer un conflit, faut vraiment imaginer un rentre-dedans monstrueux à l'échelle cosmique, et ça libère de l'énergie. Et cette énergie, qui n'est ni du vide ni de la lumière, va tout simplement, en fait, être des espèces de créations collatérales, en fait, hein. Et en fait, ces énergies matérielles, ces énergies, pardon, justement, ces énergies vont se matérialiser, c'est pour ça, hein, le lapsus, sous la forme d'élémentaires. Alors, pour Azeroth, par exemple, il y a les élémentaires de feu, d'air, d'eau, d'esprit, et de terre, d'air, de feu, d'eau et d'esprit.
Mais on peut imaginer qu'il y a d'autres aspects. Par exemple, sur certains autres mondes, il est possible qu'on ait des élémentaires de foudre ou des élémentaires de sable, des élémentaires de glace et autres. C'est vraiment l'idée que sur la planète que l'on connaît, à savoir Azeroth, c'est ces cinq éléments qui vont apparaître. Mais l'idée, c'est que voilà, à partir du moment où il y a des forces cosmiques, on pourrait imaginer des élémentaires d'acier ou autres. Hein, il y a vraiment de tout qui peut se faire. Mais en tout cas, voilà, faut imaginer que la vie telle qu'on la connaît dans l'univers de Warcraft apparaît à ce moment-là sous la forme véritablement primordiale d'élémentaires liés à différents éléments qui inhérents à la planète, on va dire. Donc ça, c'est très important, c'est que voilà, il y a des élémentaires de tout type et la vie en fait la vie est vraiment des agglomérats d'énergie, mais doués de conscience. C'est vraiment, il y a l'idée que derrière l'élémentaire par exemple de feu va se dire qu'est-ce que je fais là. Enfin, il a vraiment conscience d'être vivant, c'est pas juste une création complètement débile. Non, non, il y a vraiment une idée de conscience là-dessus. Donc ça, c'est pour le début de la vie, mais la lumière et l'ombre continuent de s'affronter, malgré tout. Continuent de s'affronter, mais dans cette nouvelle océan de réalité, cette ténèbre de l'au-delà, eh bien, la lumière et l'ombre, eh bien, elles peuvent pas forcément s'affronter dans l'univers matériel, dans la réalité. Et au final, il y a quand même des fragments d'ombre et des fragments de lumière qui vont réussir à émerger et à justement prendre forme. Donc ça veut dire que les forces de la lumière et les forces de l'ombre ne peuvent pas s'affronter directement, mais vont devoir faire appel à des espèces d'avatars d'eux-mêmes. Et ces avatars d'eux-mêmes, pour la lumière, ça crée la race des Narus. Donc les Narus, c'est tout simplement... Alors on ne connaît pas encore tout vraiment des Narus, il est possible qu'on en apprenne plus dans l'avenir, mais les Narus, qui ressemblent à des espèces de Zarbi de Pokémon, sont justement des espèces de fragments de la lumière. Donc on ne sait pas trop, contrairement au vide et à l'ombre, on ne sait pas trop s'il y a des seigneurs de la lumière ou autres. Il est fort probable qu'il y ait probablement... Enfin, qu'il y ait des seigneurs de la lumière ou autres, certains pensent à Elune et autres, enfin certains pensent à Elune également, mais... Ce qui est sûr, c'est que les Narus sont des incarnations physiques de cette lumière, justement. Ce sont des espèces d'avatars de lumière, des espèces d'élémentaires de lumière, au final, d'ailleurs. Hein, si on prend vraiment le terme élémentaire dans l'idée d'agglomérat d'énergie, eh bien, les Narus sont des agglomérats de lumière. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc les Narus, c'est la forme principale que l'on connaît de la lumière. Mais il y a également d'autres êtres qui vont émerger suite à ce Big Bang. Donc on a parlé des êtres primordiaux sur les différentes planètes. Mais en fait, ces planètes, certaines planètes, parce qu'il y a énormément de corps célestes qui vont apparaître, hein, plein de planètes, de satellites et autres, d'astéroïdes, de comètes. Mais certains mondes, donc certaines planètes, abritent en leur cœur. Donc dans l'idée que le noyau de cette planète n'est pas un noyau juste d'énergie, mais certains abritent justement une âme, une espèce d'âme en fait. Et donc c'est un âme, ce qu'on appelle une âme-monde. Et cette âme-monde, à un moment donné, arrivée à maturation, va tout simplement naître et former ce que l'on appelle un titan. Un titan, c'est une nouvelle vraiment création, donc la lumière et l'ombre. Comme on l'a dit, on réussit à sortir, on verra pour l'ombre plus en détail par la suite. Mais il y a d'autres êtres qui émergent, ces âmes-mondes, qui vont créer les titans. Des êtres donc cosmiques, à un niveau de puissance incommensurable. Enfin, vraiment l'idée, il faut bien vous rendre compte que les titans, c'est pas, on est à une échelle cosmique. Je veux dire, nous, on est des espèces de bactéries, même pas. Alors que les titans, ce sont des... Ce sont des dieux cosmiques en fait. C'est même pas dieu, parce que par exemple Ragnaros, que vous connaissez peut-être, c'est, on pourrait le considérer en termes de puissance, enfin pas en termes de puissance, mais sur tous les aspects, c'est un dieu en fait. C'est le dieu du feu, Ragnaros. Sauf que là, on est sur du dieu à l'échelle cosmique et pas juste planétaire. Donc c'est quelque chose d'immense. Je veux dire, un titan est plus grand qu'une planète en fait. Parce que la planète, c'est son œuf. L'idée, c'est que le titan est dans l'œuf. Et l'œuf, c'est la planète. Donc c'est beaucoup plus grand qu'une planète, qu'un corps céleste. Donc la taille des titans, c'est juste inimaginable. Et la puissance est incommensurable, encore une fois, pour un titan. Et justement, donc ces titans qui vont naître vont commencer à chercher, en fait, à sortir de leur coquille, de leur œuf. Alors, bien entendu, cette image vient de Hypnos World. C'est pas... c'est pour que vous représentiez le truc, c'est que l'idée que le titan naît d'une planète et que la planète est un œuf. Il y a vraiment l'idée d'une âme-monde et que l'âme de la planète va s'incarner sous la forme d'un titan. Mais le truc, il faut bien imaginer que
Il explose pas la planète en sortant, bien entendu. Alors, on n'a pas encore d'infos là-dessus, sur la naissance d'un titan, comment ça se passe. Mais il est fort. Il est fort. On pourrait parier sur le fait qu'il ne détruit pas la planète. En sortant justement, en prenant sa véritable forme, il ne détruit pas la planète. Ce serait complètement débile et on va le voir juste après. Les titans sont les espèces de tuteurs de la vie. S'ils naissaient en détruisant une planète, on ne serait pas trop dans l'aspect gardien de la vie. Mais enfin, pour le moment, on est dans l'hypothèse. Mais ce qui est sûr, c'est que ça, c'est juste une représentation artistique. Ça représente bien sûr pas du tout la naissance d'un titan. Mais l'idée, c'est vraiment par contre que le monde est son œuf, le monde est sa coquille. Et du coup, le premier titan justement à être sorti, il s'agit d'Amantul que vous voyez tout à droite, donc qui ressemble à Zeus avec une espèce de bâton, d'espèce de foudre en fait, hein, d'arc électrique dans sa main. Donc c'est Amantul, bah, d'ailleurs je dis Zeus, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Zeus, il y a une forte inspiration, hein, le panthéon des titans. Il y a une forte inspiration des dieux de l'Olympe, hein, de différentes civilisations, mais principalement la mythologie grecque et romaine, bien entendu, avec cette espèce de panthéon. Et Amantul, c'est Zeus. Hein, en termes d'apparence, c'est vraiment Zeus. Et en l'occurrence, donc Amantul fut le premier titan à être né, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sera un petit peu considéré comme le père de toute chose. Et au final, il va, en naissant, en fait, il se rend compte que. Bah, il est un être immensément puissant et il se dit qu'il ne doit pas être le seul. Et du coup, il va commencer à arpenter le cosmos, à arpenter la ténèbre de l'au-delà pour essayer de trouver d'autres titans, d'autres personnes de son espèce. Et petit à petit, il va découvrir justement qu'il n'est effectivement pas le seul et qu'il y a d'autres personnes. Il va les aider, il va aider à les faire sortir, on va dire, de leur coquille. Et petit à petit, eh bien, avec ses frères et sœurs, ils vont former ce qu'on appelle maintenant plus communément le Panthéon. Donc tout simplement cette assemblée de titans, de dieux cosmiques, qui vont, eh bien, avoir pour rôle tout simplement d'encadrer la vie et de faire en sorte que la vie puisse grandir partout sur les différents mondes qui sont présents dans la ténèbre de l'au-delà. Donc le Panthéon est formé. Alors il est possible qu'un jour le Panthéon soit plus grand, hein, soit justement peut-être avec la naissance d'Azeroth et autres, hein, il est possible qu'on ait d'autres titans qui émergent. Mais à la base le Panthéon donc c'est un certain nombre de titans. En l'occurrence, donc c'est dans l'ordre, hein, de l'image, vous avez Norganon à gauche qui est représentant de la magie et du savoir. Nous avons Kazgoroth qui est tout simplement le forgeron. Hein, on a l'idée de Vulcan un petit peu, ou d'Héphaïstos, le grec. Hein, donc Kazgoroth, l'idée du forgeron, de l'artisan. On a ensuite Golganeth qui est tout simplement le seigneur des marées, le seigneur des océans et des tempêtes. Nous avons ensuite du coup Eonar qui est bah, la lieuse de vie, donc la. En gros, la naturaliste, hein, pas du tout, la déesse cosmique de la vie sous sa forme naturelle, la plus, on va dire la vie dans l'idée plus de des forêts et autres. D'ailleurs, la lieuse de vie, pour la petite anecdote, bah, c'est le titre qui fut donné ensuite par Alexstrasza, et c'est Onar qui a donné une partie de son pouvoir à Alexstrasza, donc la lieuse de vie, c'est pas pour rien que vous avez déjà entendu le terme lieuse de vie. On a ensuite Agramar, que vous voyez juste à côté avec ses gros biceps saillants. Alors justement, Agramar, bah, lui, c'est le vengeur, hein, c'est l'idée du guerrier, hein, c'est la représentation du guerrier Agramar. Ensuite, on a Amantul, que l'on voit donc avec son bâton, cette espèce de foudre électrique qui ressemble énormément à Zeus, bien entendu. Amantul, qui est tout simplement le père. Donc, il est le Odin, le Ra, le Zeus du Panthéon. Donc, il est le patron. Il est un petit peu le chef du Panthéon en tant que premier des titans. Et enfin, on a celui que vous voyez avec la grosse épée, avec sa petite couronne et autres. Et bien, c'est Sargeras. Alors, qui a un titre assez intéressant, puisque maintenant, Sargeras, on le connaît pour différentes raisons, mais Sargeras à la base son titre c'est le défenseur. Alors il n'y a pas le bouclier, hein, il manque le bouclier en tant que symbolique, mais Sargeras est du coup le défenseur. Donc l'idée c'est que voilà, tous ces titans sont nés d'une planète, sont nés d'un monde. Peut-être qu'un jour on découvrira Sargeron, la planète où Sargeras est né, je ne sais pas, mais c'est. En tout cas voilà, on a tous ces titans-là sont nés d'une planète, d'un corps céleste à la base. Et depuis, eh bien, ils cherchent à faire en sorte de trouver de nouveaux frères et sœurs, de nouveaux titans. Par exemple, on sait qu'il y a le titan de Argus, par exemple, et le titan Azeroth, hein, la planète sur laquelle se déroule Warcraft. Eh bien, abrite, on sait en son sein, abrite un titan. Mais on y reviendra dans une autre vidéo.
En l'occurrence, donc les titans vont être les tuteurs de la vie, comme je le disais. Ils vont arpenter le cosmos pour essayer de trouver des frères et sœurs. Et même sur les planètes où il n'y a pas de titans, hein, parce qu'il y a des mondes où il n'y a pas de titans. Hein, par exemple, Draenor n'abrite pas de titans ou d'âmes mondes en son sein. Bah, c'est pas grave, ils vont faire en sorte que la vie puisse fleurir un petit peu sur les différents mondes. Sauf que les titans vont avoir des ennemis. Et des ennemis plutôt puissants, même s'ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux que les titans, mais ils n'ont pas leur niveau de puissance. Pour des titans, les démons représentent un petit peu des insectes, ce serait un petit peu des moustiques. Sauf que il y a des moustiques partout, ils sont insupportables, on en tue, mais il y en a d'autres qui reviennent. Et l'idée c'est que les démons, ils sont légions. Choix de mots évidemment sorti. Alors, il n'existe pas encore de légion ardente, hein, on en reparlera un petit peu après. Mais ils sont légions, les démons. Il y en a plein. Et en l'occurrence, eh bien, les deux gros guerriers du Panthéon, à savoir Aghramar et Sargeras, vont être envoyés, missionnés par le reste du Panthéon pour affronter les démons, puisque les démons, en fait, leur but, c'est de créer le chaos un petit peu partout. Alors, les démons ne sont pas affiliés au vide ou affiliés à la lumière. Ils ont été créés parmi les forces primordiales qui naquirent lors du Big Bang. Les démons, eux, c'est le côté chaotique, en fait. C'est le chaos. Et du coup, eh bien, leur objectif, c'est de détruire tout, en fait. Ils détruisent tout. Et là où, par exemple, eh bien, on a les titans qui essayent d'ordonner un petit peu la vie dans le cosmos, eux, ils choisissent, du coup, de détruire cette œuvre-là. Ils détruisent la vie partout. Donc, en l'occurrence, il va commencer à y avoir un gros conflit, bien sûr, entre les titans et les démons. Et c'est notamment Sargeras qui va mener il va mener la barque de la bataille. Il va mener cette espèce de croisade contre les démons, une croisade pour la vie, hein, évidemment. Et le combat va durer, on ne sait pas trop à l'échelle cosmique, mais en tout cas, il va durer un certain temps. Et les démons reviennent et reviennent. Alors, même si Sargeras, il est balaye comme des moustiques, hein, il a la tapette à mouche et pff, il est détruit. Il y en a toujours d'autres qui y viennent, ils se multiplient, ils sont infernaux. Sans mauvais jeu de mots, ils sont infernaux, ils reviennent en permanence. Et du coup, eh bien, il va y avoir un moyen pour essayer de... tout simplement, Sargeras va créer une planète prison qui était un des mondes des démons, à savoir Mardoom, et il va se servir de ce monde Mardoom pour... Alors, ils viennent d'une dimension un petit peu particulière, les démons, c'est le néant distordu. Et justement, dans ce néant distordu, il y a cette planète Mardoom qui va servir en fait de prison. Alors, Sargeras, plutôt que les tuer en boucle, il va les choper et il va les enfermer dans Mardoom. Et au départ, eh bien, ça va plutôt bien fonctionner. Donc petit à petit, il va commencer à enfermer tous les démons qu'il a capturés sur Mardoom. Et il se rend compte que ce monde prison fonctionne très bien parce qu'ils peuvent plus se multiplier d'eux. Ils peuvent plus se multiplier et ils peuvent plus revenir. Et ça, c'est super important pour le combat contre les démons. Donc, au final, la croisade, on va dire, contre les démons, la guerre contre les démons va petit à petit être gagnée. Alors, bien sûr, il reste des démons qui agissent et qui opèrent un petit peu partout. Alors, il faut bien comprendre que les démons, ce n'est pas une seule race. Là, vous avez une image des Natrezim, bien sûr, les meilleurs des démons. Mais au final, qui d'ailleurs étaient les Natrezim, commandaient les démons et vont être plutôt un adversaire redoutable et efficace contre Sargeras, même si Sargeras gagne la guerre. Il se rend compte quand même que les démons sont plutôt puissants et ont des bonnes tactiques et autres pour justement essayer de compenser le fait que le différentiel de puissance entre les armées démoniaques et les deux titans. Donc ils se débrouillent plutôt bien. Et au final, les démons, c'est plusieurs races. Donc on a les Natrezim, on a les Anilian. Je ferai peut-être probablement une vidéo sur la Légion Ardente et les démons, un de ces quatre. Mais en gros, il y a plusieurs types de démons. Mais les grands commandants de l'époque, c'est les Natrezim qui sont les cerveaux. Et les Anilian, donc les seigneurs des abîmes, qui sont tout simplement les généraux, les bourrins en fait, hein, les chefs d'armée. Donc on a Sargeras qui gagne la guerre contre les démons, qui les a enfermés. Les démons ne sont plus une menace. Ils restent une menace pour la vie, mais c'est plus du tout aussi... on va dire que les démons se sont un petit peu émoussés. Donc ils sont capturés à Mardoom, comme on le disait, mais pendant le conflit, pendant ce temps, justement, il y a une autre force qui agit dans l'ombre, sans mauvais jeu de mots, et qui va justement se servir du conflit entre les titans et les démons pour pouvoir un petit peu opérer dans la plus grande discrétion, sans être vu par les titans. Puisque justement, on a parlé des Naru, à savoir les éclats de lumière qui agissent pour le compte de la lumière, nous avons de l'autre côté des éclats d'ombre, justement, qui vont
eh bien pouvoir, on a parlé voilà, de fragments de lumière que sont les Naru, là ce seront les fragments d'ombre, les fragments du vide qui vont pouvoir opérer pour les forces du vide. En l'occurrence donc, l'autre, enfin, en fait, contrairement à la lumière comme je vous l'ai dit, l'obscurité, donc l'ombre, à des personnes, on va dire qu'il y a des vraies têtes pensantes derrière, qu'on appelle les seigneurs du vide. Les seigneurs du vide, donc, ce sont, on va dire, les représentants de l'ombre dans leur propre dimension. Et en l'occurrence, ils ne peuvent pas pénétrer dans la réalité matérielle, mais ils ont observé les titans et ils se sont remarqués que les titans étaient des êtres très très puissants. Ils ont essayé de loin de les contrôler, ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé de les corrompre, ça n'a pas fonctionné. Du coup, ils se disent que les titans, eh bien, ils pourraient les utiliser pour pouvoir détruire la lumière. Et en l'occurrence, pour pouvoir détruire la lumière et devenir, bah, tout simplement enfin, c'est l'idée de devenir les suprémacistes hein, d'obscurité et régner sur le cosmos. Eh bien, ils peuvent se servir des titans, mais comme ils peuvent pas se servir des titans adultes, ils vont essayer, eh bien, de corrompre les âmes mondes, donc les planètes, les corps célestes où sont présents des titans. Et pour ce faire, les seigneurs du vide, ils vont envoyer des parasites, des milliers, des millions de parasites dans le cosmos partout pour attaquer des planètes. Et faire en sorte que ces parasites se fixent sur une planète et aillent corrompre jusque dans le cœur de la planète le noyau. Et s'il n'y a pas s'il y a pas de tout simplement d'âme monde, donc de titans qui sommeillent dans ces planètes, tant pis, c'est pas grave. Si jamais il y a une âme monde, eh bien elle serait à ce moment-là corrompue petit à petit par un processus qui dure un petit peu de temps afin de faire naître un titan du vide. Et en l'occurrence, ces fragments de vide, donc ces parasites qui vont être envoyés, ont un nom que certains connaissent, les dieux très anciens. Donc ce qu'on appelle les dieux anciens d'ailleurs. Au départ, la première mention des dieux très anciens a été dans Warcraft 3, dans le manuel de Warcraft 3 Reign of Chaos, ils s'appelaient les dieux anciens. C'est évidemment un grand clin d'œil à Lovecraft, et finalement on les connaît plus facilement, on les connaît plus. Je dirais plus communément sous le terme de dieux très anciens, et il y en a quatre par exemple qui ont été envoyés sur Azeroth, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc des fragments du vide vont être envoyés un petit peu partout, ce qu'on appelle des dieux très anciens, et en l'occurrence, eh bien, c'est voilà, comme je le disais, ces DTA vont avoir le but, vont avoir l'objectif, donc ce qu'on appelle DTA, un dieu très ancien, vont essayer de parasiter les mondes pour corrompre des titans, sauf que pour le moment ils n'en trouvent pas, mais il va y avoir justement une intervention directe, c'est que à un moment donné, en fait, Sargeras, après sa victoire contre les démons, va continuer à arpenter, va reprendre sa mission initiale qui était de traquer et détruire les démons. Et en même temps, s'il peut trouver des mondes où il y a de la vie, ou peut-être un de ses frères et sœurs, qui serait en train de naître dans une planète, eh bien peut-être l'aider et l'amener devant le Panthéon. Et au final, lors d'une de ses expéditions, il découvre une planète où il y a une planète qui est gangrénée par les dieux très anciens. Il découvre cette nouvelle menace et ces dieux très anciens, eh bien, ils ont corrompu l'âme monde justement de la planète. Et au sein de cette planète, il y a donc, comme je le disais, une âme monde, donc un titan en gestation, donc un bébé titan qui est en train de naître, enfin qui est en train, eh bien, de récupérer ses forces pour pouvoir naître plus tard. Sauf que donc Sargeras va essayer de communiquer avec le bébé titan, on sait pas trop comment ça se passe, mais il va essayer de parler justement, il va essayer de rentrer dans les rêves du bébé pour voir un petit peu s'il a été corrompu ou pas, et il se rend compte que le bébé est complètement devenu fou, complètement il fait des cauchemars de ténèbres et d'ombre, et du coup il se dit que le bébé est perverti et est au final un suppôt du vide, et ça va être quelque chose qui va profondément terroriser Sargeras. En fait, Sargeras, pour la première fois de son existence, se rend compte qu'il y a une force encore plus puissante que les démons qui, dans l'obscurité, qui cachait par-delà les étoiles, essaye de corrompre sa propre race pour les retourner contre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui va lui faire vraiment peur, parce que là il se rend compte de la vulnérabilité, je veux dire, contre les démons. Les démons étaient relous, comme des insectes, comme des moustiques, mais ne menaçaient pas tant que ça l'existence des titans. Là en l'occurrence, il y a vraiment cette idée de qu'il pourrait cultiver des espèces, enfin l'idée de cultiver des titans pour pouvoir détruire la lumière et toute vie en fait dans le monde, dans l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui va profondément traumatiser et choquer Sargeras. Action, réaction. Et évidemment, Sargeras
Là, c'est on voit toute l'immensité cosmique de Sargeras. Il va tout simplement avec son arme, avec son épée, couper la planète Lame Monde en deux et tuer du coup le bébé, tuer le fœtus en fait hein, de Titan, le bébé qui sommeillait dans la planète. Il va détruire le monde et d'une sacrée violence, on va dire. Ça, c'est quelque chose de très important. Il détruit la planète et c'est la première fois dans l'histoire cosmique qu'un Titan est tué et par la main en plus d'un autre Titan. Donc ça, c'est quelque chose de C'est quelque chose qui traumatise également Sargeras. Faut bien comprendre que Sargeras, c'est pas quelqu'un de mauvais à la base. Il a vu ça, il a vu que le bébé était complètement devenu fou et allait être corrompu et allait naître pour le vide. Et ça, c'est quelque chose qui l'a profondément choqué. Il va invoquer justement le Panthéon d'urgence à revenir à Antorus, revenir tout simplement donc l'endroit, on va dire le siège où résident les Titans. Afin justement de créer une espèce de conseil extraordinaire pour pouvoir raconter la nouvelle et justement montrer à tout le monde l'existence de ces dieux très anciens et de ces seigneurs du vide qu'il va falloir combattre en fait. Donc ça c'est quelque chose de très grave qui va arriver puisque lors de ce conseil, eh bien les autres titans sont choqués d'apprendre que Sargeras a massacré l'un des leurs qui était encore un bébé et qui était en train de... qui est en train de se former justement et de pouvoir sortir avant même en fait qu'ils naissent. Et ça c'est quelque chose qui les choque parce que les titans, il faut bien se rendre compte, ne se sont jamais n'ont jamais rencontré une menace de ce type. C'est-à-dire qu'à l'époque, les titans ils sont encore un petit peu naïfs et encore un petit peu innocents et crédules. C'est-à-dire que les autres titans n'ont pas vu ce que Sargeras a vu. Et du coup ils sont en mode on aurait pu les soigner, enfin on a Eonar qui est l'espèce de titan enfin l'espèce de dieu cosmique de la vie. Elle est en mode, nous on aurait pu soigner, on aurait pu s'occuper de ça. Mantul, qui est, on va dire, reproche à Sargeras son impétuosité d'avoir tout de suite de ne pas les avoir consultés avant d'agir, d'avoir de manière complètement délibérée et complètement abrupte, comme ça, il a tranché le monde en deux sans essayer de corriger la chose. Et ça va les énerver. Ils vont même blâmer au final Sargeras d'avoir fait un tel acte. Sargeras, lui, il est en mode, mais vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas la situation. C'est grave ce qui est en train de se passer. Il faut absolument qu'on se rassemble et qu'on aille détruire les seigneurs du vide et qu'on aille détruire tous les mondes qui sont parasités. Lui, il a vu en étant dans la conscience du titan, il a eu la vision justement de tout ça, de tous ces mondes qui sont corrompus et que potentiellement un titan, pendant qu'il s'occupe de ce titan-là, peut-être qu'à l'autre bout de l'univers, il y a un titan qui est en train de naître, un titan du vide. Et ça le terrifie Sargeras et le conseil se dit mais non, c'est bon, ça ira, on va pouvoir s'en occuper. Et Sargeras, il est en mode mais bande de fous, vous comprenez pas ce qui se passe en fait. Et du coup, il va y avoir, en fait, Sargeras va s'exiler tout simplement du Panthéon, réprimandé, éhonté, craché, on va dire, il s'est fait cracher dessus et il le prend très très mal, hein, le fait que d'être blâmé pour son action. Et lui c'est un homme d'action, Sargeras. Il veut combattre, il aime la vie au final, il a toujours œuvré pour la vie. Et là, ses propres frères et sœurs le condamnent pour avoir agi face aux ennemis de la vie, je dirais. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que là, c'est la descente aux enfers, en fait, hein, de Sargeras qui va se dire, ok, donc mes propres frères et sœurs m'ont trahi. Et du coup, eh bien, il va essayer de trouver des alliés pour pouvoir affronter le vide et les forces des ténèbres, on va dire, les ténèbres. Les forces, c'est un petit peu trop manichéen, ça, mais les forces du vide et les forces de l'ombre. Et en l'occurrence, eh bien, il va se retourner vers ses anciens ennemis. Il va essayer de consulter un petit peu les démons, notamment les Nathrezim, qui sont des démons, on va dire, très intelligents et très rusés, et qui connaissent également un petit peu certaines choses, on va dire, dans le cosmos. Du coup, eh bien, Sargeras va les consulter, et de leur bouche, il va apprendre certaines choses et que par exemple les démons sont ennemis du vide. C'est-à-dire que les démons certes sont des ennemis de l'ordre, mais ils sont également des ennemis du vide. Ils cherchent à combattre tout en fait les démons. Et le fait que justement des dieux très anciens puissent corrompre et parasiter des mondes, ça emmerde les démons, parce que les démons eux, ils veulent tout détruire et c'est aussi une menace qui pourrait être très dangereuse pour les démons. Donc au final, Sargeras n'arrive pas à trouver, on va dire, d'oreilles qui puisse l'écouter, qui puisse entendre sa peur et sa crainte. Parce qu'il faut vraiment comprendre que Sargeras, il est traumatisé. Lui-même d'avoir tué le fœtus, on va dire, de l'âme monde, ça l'a également traumatisé. Il n'a pas fait ça de gaieté de cœur. Donc,
au final, tout le monde lui reproche ça, tout le monde le blâme. Ses propres frères et sœurs lui ferment, le repoussent. Et du coup, il se rend compte que les démons sont plus proches de lui au final qu'autre chose. Et les démons, eux, bah, comprennent l'urgence de la situation. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce que la corruption de Sargeras, on a l'impression qu'elle s'est faite comme ça du jour au lendemain. Non, la corruption de Sargeras, elle a été réfléchie au final. Et finalement, bah, il y a quand même... L'idée, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami, en fait. Hein. Et du coup, Sargeras va libérer les démons de Mardoom et va assembler justement ce qu'on va appeler plus tard la Légion Ardente. Le titan défenseur qui va devenir le titan démoniaque, le titan noir, Sargeras, qui devient le grand titan hein, de la Légion Ardente. Et la Légion Ardente, donc cette espèce de conglomérat de différentes espèces démoniaques qui vont devenir eh bien, les agents de la Légion Ardente et vont traquer partout dans le cosmos des mondes qui pourraient être corrompus par les dieux très anciens et les détruire pour pas qu'ils tombent sous... il vaut mieux les détruire plutôt qu'ils tombent entre les mains des dieux très anciens qui pourraient pervertir la vie pour la détruire. Donc dans le grand plan, dans cette grande croisade infernale, cette croisade ardente que va mener Sargeras contre les dieux très... enfin, contre les seigneurs du vide et notamment les artefacts, les fragments du vide, à savoir les dieux très anciens. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On va pouvoir, maintenant qu'on a présenté un petit peu les différents protagonistes, on va pouvoir revenir un petit peu dessus. Mais l'idée, c'est qu'il y a 6 forces cosmiques. Peut-être que pas, dans l'avenir, il y en aura d'autres, hein, c'est possible, mais à l'heure actuelle, il y a vraiment 6 forces cosmiques qui s'affrontent directement ou indirectement avec véritablement des antagonistes. Alors, tout n'est pas, on va dire... frontal, parfois certains adversaires s'affrontent, mais il y a vraiment l'idée de trois grands affrontements. On a la lumière face à l'ombre, bien entendu, donc la lumière qui est représentée par les Naru, on pense également Elune, mais principalement les Naru qui affrontent le vide et les seigneurs du vide ainsi que les dieux très anciens. Mais il n'y a pas également que les dieux très anciens, il y a aussi les Naru, les sombres Naru, donc les Naru qui ont été corrompus hein, et qui sont devenus des Naru du vide, puisqu'un Naru peut devenir son antithèse en fait et devenir un Naru du vide. Donc il y a l'idée vraiment des dieux très anciens qui veulent corrompre un petit peu le monde. Donc comme on l'a dit, les dieux très anciens sont les incarnations un petit peu des seigneurs du vide, mais peut-être qu'un jour on verra un petit peu à quoi ressemblent les seigneurs du vide. Et ça se trouve, il y a les seigneurs de la lumière, hein, c'est possible aussi que face aux seigneurs du vide, on ait cet antipode avec des seigneurs de lumière. Ensuite, on a l'ordre qui est incarné par les titans, hein, bien sûr, les titans, et on y reviendra après, ainsi que les gardiens qui sont les représentants des titans sur les différents mondes où ils ont ordonné la vie, face... aux démons, bien entendu, face aux démons, face au chaos, face au désordre, et la Légion Ardente, hein, les démons sont représentés par la Légion Ardente, avec le titan noir Sargeras, qui va du coup eh bien, affronter ses frères et sœurs. Et ensuite, on a tout simplement la vie face à la mort, donc la vie qui est représentée par, qui est incarnée par les différents grands esprits sauvages, ainsi que les esprits de la vie. Et par exemple, les lunes, on ne sait pas trop si c'est une incarnation de la lumière, une incarnation de la vie, ça se trouve c'est une fusion des deux et c'est une incarnation de la vie. C'est pas si simple que ça, parce que là c'est vraiment l'idée de la vie sauvage. C'est vraiment l'idée de la vie sauvage, parce qu'au final le panthéon crée la vie et la lumière crée de la vie, ainsi que le vide. Au final, le vide crée de la vie également. Et les démons sont des créatures vivantes du chaos. Mais l'idée de la vie, on va dire, dans le côté élémentaire, c'est vraiment l'idée de vie sauvage avec la nature. Vraiment l'idée de la nature. Mais du coup, ils sont représentés par les dieux sauvages, par des esprits et par des esprits de la nature, en fait. Donc par exemple, on a dans les dieux sauvages, pour ceux qui connaissent un petit peu, on a par exemple Cenarius, très connu, qui est dieu elfe de la nuit, le dieu de la nature. Eh bien, c'est justement donc, qui est le dieu de la nature. Sur Azeroth, il faut imaginer qu'il y a d'autres dieux de la nature sur d'autres mondes. Et par exemple, le Draenor a eu une énorme représentation. Et d'ailleurs, les esprits de la nature de Draenor ont failli détruire Draenor au final. Mais on y reviendra peut-être dans une autre vidéo un jour. En attendant, la vie affronte tout simplement la mort. Et la mort, c'est peut-être la force cosmique qui est la plus... énigmatique, puisque on n'a pas à l'heure actuelle, on sait qu'il y a des dieux du chaos, enfin des dieux de la mort, hein, différentes forces de la mort, par exemple le roi Lich, Ner'zhul, on a également tout simplement Elia, on a par exemple Bon Samedi, on a différentes forces de la mort. Mais est-ce qu'on a des entités un petit peu à l'image des
enfin du Panthéon ou de Sargeras, des forces cosmiques qui dirigent la mort, à l'heure actuelle on n'en sait rien. C'est pour ça aussi que je vous laisse aller voir la vidéo sur le roi Lich et son avenir, mais il est possible, parce que par exemple Buen Samedi sert une entité supérieure, on ne sait pas ce que c'est que cette entité, mais ça se trouve il y a des forces cosmiques de la mort, puisque bah, Ner'zhul et Lya ce sont des dieux de la mort, à l'échelle planétaire, pas forcément à l'échelle cosmique. Donc est-ce qu'il y a des forces cosmiques de la mort? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Et du coup, bah, bien sûr, la vie affronte la mort. Mais c'est pas si... petit à petit, on est sorti du postulat, on va dire, de il y a des gentils et des méchants. On a vu, bien sûr, pendant très longtemps, on voit que les forces du vide sont quand même les plus destructrices et que tout le monde a presque envie de s'allier contre les seigneurs du vide. Mais on a vu, notamment par l'intermédiaire de Xera, que la lumière peut être également la source de problèmes. Et au final, toutes ces forces ont créé des problèmes. Par exemple, bah, la vie, comme je le disais, a failli, donc les forces de la nature ont failli détruire Draenor, et c'est d'ailleurs pour ça que le Panthéon est intervenu par l'intermédiaire d'Agramar pour bloquer la vie trop sauvage de Draenor qui a failli vampiriser la vie sur Draenor. À côté de ça, on a la vie, notamment Xera et Irel, avec le scénario Magar, je vous laisse aller le voir, bien entendu, il est juste absolument incroyable, qui menace. Mais après, j'aime bien le fait justement que la vie par la lumière puisse poser des problèmes et puisse être une menace aussi. Mais après, bon, la Légion Ardente et les démons, ça inutile de vous faire un dessin. Les titans, bah les titans, hein, Sargeras est un titan et est devenu une force du chaos, donc les titans peuvent, par la manière dont ils font, créer des problèmes, hein, notamment bah, les gardiens se sont opposés par plus d'une fois à la vie sur Azeroth, en prétextant vouloir la défendre. Et la mort, bon bah la mort, on a quand même eu plein de moments, hein, où on a vu que les morts vivants n'étaient pas forcément toujours très sympas, bien sûr, même si les morts sont pas forcément non plus les grands méchants de l'histoire, je dirais. Donc à ce niveau là on a également des alors par rapport à notre monde, donc la réalité, on a des réalités un petit peu alternatives. Alors je parle pas de Draenor alternatif et de temps alternatif, je parle vraiment de l'idée qu'il y a des espèces de dimensions différentes, avec par exemple le rêve d'Emeraude qui est la dimension sauvage, et par exemple les terres d'ombre qui sont les terres en fait de la mort, je dirais, sachant que on sait pas trop s'il y en a d'autres, mais par exemple vous avez tout simplement le néant distordu pour la Légion Ardente. Côté titan on sait pas trop. Il est possible, bah, Antorus c'est une espèce de dimension parallèle également. Mais bon, voilà, il y a des mondes alternatifs, des mondes cosmiques, des mondes des forces cosmiques. Donc il est possible qu'un jour d'ailleurs on ait une extension sur la mort et les forces. Bon, je vous laisse aller voir la vidéo sur Arthas là-dessus. Mais voilà, pour vous, je pense que maintenant vous avez une meilleure idée des différentes forces cosmiques qui sont à l'œuvre et qui travaillent justement à la création du monde. Mais ça, c'est vraiment l'idée des forces les plus puissantes du cosmos. Alors, rapidement, on va conclure cette vidéo avec l'idée que justement les titans n'ont pas encore. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les titans n'ont pas encore eu vent de la trahison de Sargeras. On y reviendra dans la prochaine vidéo qui sera sur l'Empire Noir. À ce moment-là, Sargeras va faire sa manœuvre contre les titans, contre ses frères et sœurs, va se retourner contre eux. Mais jusqu'à présent, il a libéré les démons, il a commencé à agir, à détruire certains mondes qui étaient parasités par les titans. Donc on a Sargeras qui affronte le vide, là, directement. Les titans ne sont pas encore en face à Sargeras. Mais pendant ce temps, la planète qui nous intéresse, nous en particulier, puisque Warcraft se passe principalement sur le monde d'Azeroth, eh bien le monde d'Azeroth, on y reviendra juste après avec l'Empire Noir, donc la menace représentée par les DTA qui sont présents sur Azeroth. Agramar, donc l'un des titans qui était l'ancien bras droit de Sargeras, Agramar le vengeur, Agramar le guerrier, va croiser la route d'Azeroth et il se rend compte que cette planète abrite un titan immensément puissant à l'intérieur. Et au final, d'ailleurs on sait que c'est une titan, c'est une amonde d'Azeroth, donc c'est pas un titan masculin mais une titan. Et au final il se rend compte qu'il y a déjà la menace du vide que Sargeras avait évoquée présente sur Azeroth par l'intermédiaire de 4 principaux. Alors il est possible qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas il y a 4 principaux dieux très anciens à ce moment là. Donc à savoir Yogg-Saron, Yar-Sharaj, mais je rappelle que les deux, vous les prononcez comme vous voulez. Si vous les prononcez Isharge, ça marche, puisque ce langage n'est pas censé être parlé par la langue normale, on va dire, par les humains normaux. Donc il y a K'tun, il y a Yogg-Saron, ou K'tun, vous prononcez comme vous voulez. K'tun, Yogg-Saron, Yar-Sharaj
et enfin Nizzat, qui sont les quatre dieux très anciens qui dominent en fait le monde, la surface d'Azeroth en tout cas. Donc Aggramar va appeler à l'aide le reste du Panthéon qui va le rejoindre et ils vont essayer de trouver des solutions pour eh bien, libérer Azeroth des dieux très anciens. Et ça fera l'objet bien sûr de la prochaine vidéo sur l'Empire Noir. Mais c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette vidéo sur la cosmogonie et justement sur les entités, les forces cosmiques de l'univers de Warcraft vous a plu et vous a permis de comprendre peut-être un petit peu plus quelles sont les forces maîtresses de l'univers de Warcraft, parce que là on est sur des dieux cosmiques, hein. On est sur des forces cosmiques pour vraiment représenter les... L'idée c'est que les dieux très anciens, ce sont des dieux à notre échelle, sont immensément puissants. À l'échelle des titans, ce sont que des parasites, des espèces de tiques qui se fixent sur les mondes. Donc nous on est des bactéries, on est vraiment à l'échelle microscopique, on est des bactéries par rapport à ces forces cosmiques là. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous aurez un petit peu vu plus clair concernant l'histoire de Warcraft. Prochaine vidéo de lore pour Warcraft, donc bien sûr il y aura Beyond the Dark Portal, mais la prochaine, on va dire dans le cycle, ce sera tout simplement la vidéo sur l'exil noir, c'est confusion avec Diablo, mais du coup ce sera tout simplement l'Empire Noir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires, si vous avez des questions, des observations, est-ce que justement il y a potentiellement... une de ces forces que vous aimeriez voir dans l'avenir pour les extensions de World of Warcraft par exemple. Bien sûr, une extension sur le vide, il y en aura au moins une, voire peut-être plus. Mais par exemple, les forces obscures, on va dire les forces des ténèbres, la Légion Ardente pourrait potentiellement revenir. Est-ce que voilà, est-ce que ça vous plaît? Bien, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je rappelle que ça augmente la visibilité de la chaîne également. Donc merci à vous de le faire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus.